L'église Christ l'a inaugurée. Cette église que Christ a prédit, cette église que Christ a annoncée, cette église devient maintenant une réalité. Cette église trouve maintenant animation. Cette église maintenant est amenée à la vie par la présence de l'Esprit Saint. Ah, bien-aimé, l'église là existait toujours parce que le Saint-Esprit est là. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, salut. Nous commençons jeudi à une nouvelle série autour du thème « L'Église vit encore ». L'Église n'est pas l'idée ou l'initiative de l'homme, c'est l'idée de Dieu. Et en dépit des difficultés que l'Église est capable de rencontrer, parce que c'est bon Dieu qui fait la camper et la demeurer éternellement. Nous espérons que vous êtes capable de bénir dans la série ça et qu'on joigne force pour Namo au nom de Jésus. Et le Seigneur m'a mis au cœur ce passage de l'Écriture que nous trouvons dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Moi, invité au Sougain Bible ensemble avec vous, pour capable ouvrir avec nous. Nous sommes à Matthieu chapitre 16 et je lirai à partir du verset 13 pour m'arrêter et certainement au verset 19. 19 ou plutôt au verset 20. Nous sommes à Matthieu chapitre 16 et je lis à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Seigneur, merci de la parole qui nous a déjà bénis et sanctifiés. Parle-nous par l'Esprit duquel nous dépendons totalement. Viens, Céleste Père, nous enseigner encore une fois. Dieu Père, je t'appelle. Dieu Fils, je t'invoque. Dieu Saint-Esprit, je t'interpelle. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en nous. En Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé toutes ces choses. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, la religion est sans contestation l'une des plus vieilles institutions du monde. Elle crée l'espace pour l'humain de se réaliser, d'être en contact avec son être, en contact avec son essence, qui n'est pas matière, mais esprit. L'humain est fondamentalement spirituel et cette spiritualité peut avoir plusieurs expressions. Elle s'exprime par la méditation, la danse, le service communautaire, la marche en pleine nature. Elle révèle toutefois un besoin existentiel chez l'humain, le besoin de Dieu. Pour répondre à ce besoin, Dieu crée une institution dont la mission première est de connecter l'humain à son Créateur. L'Église n'est pas une initiative humaine, elle est la création de Dieu. Ce matin, dans quelques minutes que nous gagnons pour nous parler ensemble, nous allons parler autour du thème « L'Église vit encore ». « The Church still lives ». C'est à Matthieu 16, que nous trouvons pour la première fois dans les évangiles, le mot « église »,« ecclésia ». Déjà, Jésus entre dans un territoire païen avec les disciples.
Il t'a semblé raison qu'il portait là, c'était peut-être pour éviter les regards scrutateurs de la foule, peut-être pour retirer lui, eh bien, de toute observation curieuse. Mais pour une raison ou pour l'autre, Jésus est maintenant sur terre étrangère, dans un territoire païen. Et là, à Césarée de Philippe, il y a une ville qui est environ à 45 kilomètres au nord de la mer Morte. Là, à Césarée de Philippe, seul en communion et en intimité avec les disciples, Jésus adresse pour la première fois la grande question christologique. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et les disciples essayent de trouver une réponse, pas une réponse qui sortit de eux-mêmes, mais une réponse de ça où tendez à dire dehors. In other words, Jesus is saying, what are you guys hearing them saying out there? Ou qu'on est que lorsque tu es le sujet en question, généralement, ou c'est dernier monde qui connaît, qui sa monde dit. Et que bagay ou a besoin qu'on est sur ta personne, ou pas jamais tendil, ou a besoin au monde qui a des oreilles dans la ria, au monde qui a des pieds sous béton, pour dire où ça a passé. Peut-être ou pas comprendre ça me l'a dit. Que bagay a passé l'église là, pasteur pas jamais connaît. Son monde qui a venu dire pasteur, nèg, ou pas attendez. Et qui ça cap passé dans bouc là ce monde cap bail pasteur a eh bien poule terrain et Jésus li ou capable de sentir Jésus rentrer dans même logique ça pour dire monsieur c'est pas des causes me connaît qui gagne dehors à mon sujet mais tell me something, what do they say about me? Et puis tout geneg qui commence à parler yo dit gen moun qui dit tu es Jean-Baptiste alors. Gélot qui dit que tu es Élie. Gélot même qui dit que tu es Jérémie ou Yonan prophète yo. Maintenant, si vous lisez le texte de près, vous remarquerez que les noms qui sont cités ne sont pas des vivants. Ce sont des morts. Des prophètes qui ont vécu à un certain moment et qui sont partis. Dans la pensée de l'époque, on croirait que le processus, ou plutôt le phénomène de la réincarnation existait. Il était quoi que des prophètes, papa bon Dieu, qui étaient vivent, et pour façon ou bien l'autre, ils t'ont tourné encore. En fait, cette conception n'est pas trop loin, eh bien, dont série de textes, ils fait chita son texte, parce qu'il y avait une prophétie selon laquelle, avant que le Messie ne vienne, t'as gagné Élie qui t'est gagné pour venir. Ou à songer qu'il y a une conversation que Jésus t'a gagné ensemble avec les disciples. Lui dit comme ça, Élie est en fini déjà. Il ne parlait pas d'Élie, mais il parlait de Jean-Baptiste. En fait, ce que la Bible voulait dire, c'est l'esprit qui a animé Élie. L'esprit de réveil, l'esprit de réforme. C'est cet esprit qui allait se manifester avant même que ne vienne le Fils de l'homme, Jésus. Parce que l'esprit d'Élie, c'est ton esprit qui était là pour amener le peuple à Dieu et mener vers la repentance. Et on attendait les gens commencer à parler. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. Sort de cette conception théologique, il y a parti pour dire, il y a des gens qui disent où c'est Jean. Il y a l'autre qui dit où c'est Élie. Il y a l'autre qui dit où c'est Jérémie. Et il y a un qui dit où c'est un prophète yo, qui est revenu à la vie. Et Jésus dit, I hear you. And I hear you good. M'entendez qui ça nous dit et m'entendez qui ça nous dit, yo dit à mon sujet. Mais ce qui m'intéresse maintenant, vous qui avez vécu avec moi pendant un certain temps, nous-mêmes qui levez avec qui, ouais, j'en dormi, qui, ouais, j'en ronflé, qui vivent ensemble avec moi, qui dit vous que je suis. It's one thing that people say things about you, but it is different that I need to know what you say about me. Des fois, ça, moun dehors pensez de vous-même, ce n'est pas lui-même qui toi important. C'est ça, moun wa vivre prêt avec le pensée de vous qui est important. And you will notice, des fois, moun, ça le pensée de vous dérange au plus, ce n'est pas moun ou pas qu'on est.
mais c'est mon nous connaît. When it is your wife who thinks a certain way about you, laissez aux amis qui pensent aux certaines façons de vous-même. Laissez mon gros vivre après qui pensent aux certaines façons de vous-même. Ça qu'a fait content, qu'on s'attouche, ça qu'a fait triste. Jesus is not interested. Jésus pas intéressé. Toi, non ça, mon dit. Il a besoin qu'on ait, monsieur, yo. Qui ça y dit? L'autre monde, il y a une expérience par eux. Mais vous-même, qui expérience par eux. L'autre monde, il y a vécu par eux. Mais vous-même, qui vécu par eux. L'autre monde, il y a relation par eux. Mais vous-même, qui relation. Et là, Jésus posait cette grande question. Qui dites-vous que je suis? Le pronom on distanciel, l'y remplacé par le vous de la proximité. I want to know what you think about me. I want to know how you see me. Et avant que l'autre disciple ait chance pour y parler, Pierre prend la parole, il dit, tu es, alléluia, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, Jésus tendait parole ça. Jésus dit, Pierre, cool your blood. Paul, Pierre, posez sang. Pierre, take it easy. Pourquoi courir battre l'estomac? Pourquoi courir faut faire joler? Parce que ce diable, ce n'est pas la chair et le sang qui révèlent lui. En d'autres termes, pour arriver à conclusion ça, ce n'est pas observation qui baroule. Pour arriver à conclusion ça, ce n'est pas connaissance qui baroule. Pour arriver à conclusion ça, ce n'est pas intelligence qui baroule. Mais pour dire sortir, il faut sortir en haut. Aïe, aïe, aïe. Et ça aide nous comprendre nos bagailles. Pour qu'on ait qui est Jésus, il faut qu'on joigne la révélation de l'esprit. Je sais qui tu es. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh Pierre, ou béni, tu es heureux, Simon Pierre. Tu es heureux parce que Dieu t'a révélé Jésus. Tu es heureux parce que Dieu t'a révélé mon identité. Et la vie sous la terre apprend à comprendre que monde qui est heureux, c'est monde qui connaît Jésus. Moun qui heureux, c'est moun bon Dieu fait grâce pour yo ouais Jésus. Bien-aimé, l'okon qui est Jésus, ou qui doit pas gon goud nan poche mon heureux. L'okon qui est Jésus, ou qui doit pas gon gros contact mon heureux. L'okon qui est Jésus, ou qui doit pas gon assurance santé mon heureux. L'okon qui est Jésus, moun qui doit humilier mon heureux. L'okon qui est Jésus, moun qui doit dire ça en vle, ou son moun qui heureux, parce que Jésus son trésor lié. C'est que amen qui t'aime dans notre amen. Tu es heureux, Simon Pierre. You are blessed, my youth. C'est pas la chair et le sang qui révèle au bagage ça, yo. C'est le Saint-Esprit qui révèle, yo. Et tant de qui ça, Jésus dit. Watch this. Jésus dit comme ça. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est la fondation. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, c'est la science. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, c'est l'autorité de l'église. Dans le texte, on joue tout au moins trois bagailles. On joue une fondation de l'église là. Où je veux l'assurance de l'église là. Et où je veux l'autorité de l'église là. Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, ce n'est pas sur l'humain, mais sur la parole que tu as prononcée. Cette parole
parole qui t'est donnée par révélation, cette parole qui t'est donnée par l'Esprit, cette parole qui affirme mon identité, cette parole qui reconnaît que je suis le Messie, loin, le Fils du Dieu vivant. Sur cette parole, l'Église est bâtie. L'Église là, en vérité, pas chita sur le monde. Parce que si l'Église là te chita sur le monde, il t'a crasé déjà. Si l'Église là te chita sous dos au pasteur, il t'a crasé déjà. Mais l'Église là chita sous dos Jésus de Nazareth. Donc les hommes de Dieu viennent et les hommes de Dieu vont. Les prédicateurs viennent et les prédicateurs vont. Les évangélistes viennent et les jeunes évangélistes vont. Mais l'Église l'a arrêté, l'Église, parce que elle n'est pas l'affaire des hommes, elle reste et demeure l'affaire de Dieu. Si y a amen qui t'aime dans notre amen. Fondé sur Jésus. Mais Jésus prend dire l'autre bagage, c'est ça me prend plus. Je ne vais pas parler d'autorité, je vais parler d'assurance l'église là. Jésus dit comme ça, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. En anglais, il dit, the gates of hell shall not prevail against it. Maintenant, j'ai besoin de comprendre que il y a au moins trois mots dans le Nouveau Testament, trois mots grecs, ils ont utilisé pour parler de ça, texte à dire là, the gates of hell. Trois mots dans le Nouveau Testament, ils ont utilisé pour parler of hell. Il y a le mot géhenne, il y a le mot tartaroo, et il y a le mot Hades. Stay with me now. Le mot Tartaro, ligue pour être avec cet endroit profond, cet endroit qui très sombre. Une dame qui relève dernièrement, lui dit pasteur, malade de COVID-19, et pasteur, moi, m'a rentré dans l'abîme. Moi, m'a rentré un côté qui noir. Moi, m'a rentré un côté qui sombre. And I imagine that would be Tartaro. Mais comprenez que ce n'est pas le seul mot qui est ici, qui est utilisé dans la Bible pour parler des enfers. Il y a le mot géhenne. Ou à songer, Jésus dit, au monde qui va jouer frêle, monde ça, l'a mérité pour le punir par le feu de la géhenne. La géhenne, c'est cet endroit que généralement il y a les enfers, côté qui gagne du feu, côté qui gagne souffre, c'est l'étang de feu, côté qui gagne pile souffrance, il y aurait ça, la géhenne. Et finalement, il y a le mot Hadès, et ce mot signifie littéralement le séjour des morts. But stay with me now. Dans la mythologie grecque, il y avait le dieu des enfers, or the god of the underworld, Yoterelil Hades, ou bien Hadès. Hadès, c'est côté Moyoye. Hadès, c'est le royaume des morts. Il y a tout au moins deux compréhensions, ou plutôt deux interprétations de texte, lorsque Jésus dit « Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. » Il y a monde qui dit, il y a une interprétation ou bien texte, c'est que « The church now is on the offense. And no matter what the gates or the kingdom of hell does to stop the church from breaking in, it cannot. » Aïe, 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 ben m'expliquons-le d'autre façon. Dans l'Antiquité, Vilio pas existé, j'en ouais ouais. Généralement, on nous dit que ou praler Jacksonville, le ou conduit sous I-95, si c'est I-95 vous prend, qu'on côté ou rivé, ou après y ont panneau indicateur qui dit Welcome to Jacksonville. Gagner des frontières. Mais ce n'est pas en réalité frontière qui marquait avec bloc, avec mur. Il a juste déligné comme ça. Mais dans tant longtemps, Jean ville était faite, ville était gain des murs tout autour, murs qui barraient. Et ville ça était surtout gardée par des portes. Il a déterminé force de ville, pas seulement en fonction de murs, de l'épaisseur des murs ou de leur hauteur, mais ont déterminé force de ville en fonction de la stabilité et de la
force de ces portes. Parce que pour entrer dans la ville là, il faut passer dans la porte là. Donc ici, il t'a semblé, selon première interprétation, hein, que the church is on the offense. L'église attaque, l'église avance et les portes de l'enfer, pas capables de camper l'église. Les portes de l'enfer, pas capables de taper l'église. Qui t'aime faut-il poser là pour me dire en vérité, si porte l'enfer pour qu'écraser, c'est parce que the church is not yet on the move. Parce que when the church is on the move, là l'église a campé pour l'église a commencé à rentrer dans le royaume de Satan. Là l'église a campé pour l'église a commencé à attaquer diable. Là l'église a campé pour vivre sa réalité, son identité, pour vivre ce pourquoi Dieu l'a appelé. L'église a étonné le monde car Dieu travaille au travers de son église. Mais une deuxième interprétation. Il y a monde qui dit que Hades, le Dieu, the God of the underworld, le Dieu des enfers. En réalité, lorsque la Bible a parlé des portes de l'enfer, c'était un mot, gros mot utilisé pour ça, c'est euphémisme. C'était un euphémisme qui a été utilisé pour parler de la mort. In other words, c'était une autre façon. Jésus te voulait dire, l'église mettait campée, l'amour lui-même pas capable de détruire. Brothers and sisters, à travers l'histoire de l'église, nous avons des hommes qui ont essayé de détruire l'église. Des hommes puissants ont essayé de détruire l'église. Herod tried to kill it. Nero tried to destroy it. Vespasian tried to annihilate it. Diocletian, Tyrant, Adrian, Maximian, Marcus Aurelius, Galileus, Decimius, Valerian, tous des hommes puissants qui ont essayé de détruire l'église de Dieu. Paul himself tried to destroy the church of God. But the church still lives. L'église vit encore. Then comes the question, why is the church still around? Gagné des penseurs français qui te by date expiration l'église. Yo mouri, and the church is still here. Gagné des scientifiques qui te dit encore un peu de temps, l'église n'existera pas. And yet, the church is still here. Friedrich Nietzsche himself pronounced the death of God. And yet, the church is still here. Pandemie vini, pandemie allait. And yet, the church is still here. Pandemie vini, pandemie still là. And yet, the church still here. Then comes the question, why does the church still standing? Il y a trois bagailles, m'a dit, qui fait l'église la camper toujours. Premièrement, l'église la camper. Alléluia. Parce qu'elle est aidée par la terre. Stay with me now. Nous rentrons dans le registre du prophétique. En Apocalypse chapitre 12, verset 16, dans le premier service, forme très traditionnelle et très adventiste. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 16, Bible a dit que le dragon lance un fleuve qui sortit dans la bouche li pour être capable d'entraîner la femme. Ou connaît que la femme, c'est une image, une figure de l'église. Donc, l'état semblé de toute éternité. Satan, le diable, toujours non business pour détruire l'église. And the Bible says, pendant Satan, diable a lancé un fleuve dans la bouche pour être capable d'entraîner la femme. Et la Bible a dit que ça terre ou fait bouche. Et puis tout le valet fleuve là. Alléluia. Ça veut dire. Ça veut dire, bien aimé, ça nous paraît rendre nous compte. Les forces de la nature soutiennent l'existence de l'église.
Why do you say that, pastor? C'est parce que la nature tout entière, c'est ça Paul Pradio. Paul Pradio, la nature tout entière a souffri les douleurs de l'enfantement pendant l'attente, la révélation des fils de Dieu. Nature itself is waiting for the revelation of the sons and the daughters of God. Les natures a gardé, li wè moun ap mouri, li di Seigneur que ton règne vienne. Les natures a gardé, li wè dégâts a fait sous la terre, li di Seigneur que ton règne vienne. Les natures a gardé, li wè mort a peine rentrer dans son trail, li di Seigneur que ton règne vienne. La nature a lié pour supporter l'église. Not only the church is aided by the creation. Oh, alléluia. L'église est animée par le Saint-Esprit. Stay with me now. Bible a expliqué en Actes chapitre 2. Alors que les apôtres étaient réunis, alors que d'autres disciples étaient aussi réunis, 120 au total. Et Bible a dit, soudain, il vit du ciel un bruit. Et puis tout bruya, il dit, un vent impétueux. Et il rentrait côté yota prière. Et puis tout Bible a dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Understand what I'm about to share with you. Seigneur, m'a dit pour ouvrir intelligence petite ou pour comprendre ça m'a dit là. C'est un coup, n'a assisté, pas dans le domaine physique, mais dans le domaine spirituel, au processus de la création de l'église. Où songez, le bon Dieu a fait l'homme, il prend la boue, il fait portrait. Mais jusque-là, le portrait était sans vie. Il était gagné sans vie. Il était poète sans vie. Il était organio sans vie. Tout ça qui était nécessaire était là sans vie. And God did something strange. God stooped down. Bon Dieu descend. Et puis tout bon Dieu. Et puis tout, Bible a déclaré que l'homme n'en devient un être vivant. À la Pentecôte, les disciples étaient là dans le spirituel, représentants de l'Église, mais l'Église était sans vie. Ils avaient la connaissance, mais l'Église était sans vie. La structure était là, mais l'Église était sans vie. Ils avaient le bâtiment, mais l'église était sans vie. Et à la Pentecôte, God does something. God. Et puis l'église, ça qui était sans vie, vient animée par l'esprit. Aïe, aïe, aïe. C'est ça que fait Gauthier chanté créole qui dit, l'esprit descend, joue Pentecôte là. L'église Christ l'a inauguré. Tout captif yo joint liberté. Royaume Satan crasé. L'esprit des saints joue point de côte là. L'église Christ l'a inauguré. Cette église que Christ est prédit. Cette église que Christ est annoncé. Cette église devient maintenant une réalité. Cette église trouve maintenant animation. Cette église maintenant est amenée à la vie par la présence de l'Esprit Saint. Ah. Bien-aimé, l'église là existait toujours parce que le Saint-Esprit est là. Et cet esprit qui a animé l'église là, c'est pas un esprit qui a mouru. C'est un esprit qui est éternel. Et aussi longtemps que l'Église est animée par l'Esprit Saint, peu importe l'attaque que l'on recevra,
peu importe flèche yo tiré sous lui, l'église là a campé. Si qui amen dit amen. COVID-19 apprend nous que maladie pas qu'à tuer l'église là. Attaque Satan apprend nous que démon pas qu'à tuer l'église là. Les autorités établies apprennent nous que humain pas capable de détruire l'église là. En vérité, l'église existe et elle vit encore parce qu'elle est l'église du Dieu vivant. Si qui amen qui t'aime dans nous dit amen. Nous disons que l'église existe parce qu'elle est aidée par la terre. Elle existe encore parce qu'elle est animée par l'esprit. Et finalement, l'église existe parce qu'elle est aimée de Jésus-Christ. En Éphésiens chapitre 5, verset 25, Paul exhorte les frères d'Éphèse. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Ellen White déclarait dans Conquérant Pacifique au premier chapitre, il dit, l'église là, c'est l'objet du regard de Dieu. C'est l'objet suprême du regard de Dieu. L'église là, c'est bagaille sous la terre qui est intéressé, mon Dieu. Qui est précieux dans ce bon Dieu. Qui est important pour mon Dieu. Que mon Dieu puis aimer, qui est beaucoup plus près du cœur de Dieu. Ça qui intéressait mon Dieu sur la terre, c'est pas l'argent. Ça qui intéressait mon Dieu sur la terre, c'est pas l'or. Ça qui intéressait mon Dieu sur la terre, c'est pas les bâtiments que nous construisons. Ça qui intéressait mon Dieu sur la terre, c'est pas même les hôpitaux, c'est pas même les écoles, c'est pas même les institutions. Ça qui intéressait mon Dieu le plus sur la terre, c'est l'église. Et des gens qui disent, mais pasteur, qui ça l'église? COVID-19 te apprend nous ça. L'église, ce n'est pas un bâtiment, mais l'église, c'est l'assemblée des saints, c'est l'assemblée des croyants, quel que soit côté, dans quelque position, depuis on connecté à l'autre, l'église là, alléluia. Depuis on concentré à l'autre, l'église là. Et m'entendez Jésus qui déclarait, m'entendez Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et m'entendez Jésus dit, l'église là c'est où? L'église là c'est moi. Et aussi longtemps que tu gardes ta foi, et aussi longtemps que tu es un assoiffé de Dieu, et aussi longtemps que tu es un amoureux de l'esprit, et aussi longtemps que tu aspires à un monde nouveau, à une terre nouvelle, à un nouveau ciel, dans l'éternel dire qu'il y a espoir. Quand on passe, fais qu'on est que l'église là là et l'église là style. Live. Peut-être ou t'en des bruit de courir. Yo dit COVID-19, récite jouer l'église. Et m'en des bon Dieu qui dit, pendant COVID-19, fermez porte yo. Moi-même, ma gouverne chaque caille, yon l'église. Et puis tout en tant caille, moi, m'bâti un hôtel. Dans l'office, moi, m'bâti un hôtel. Dans le travail, moi, m'bâti un hôtel. Et puis tout m'en des le cercle qui dit, elle m'y a des pensées, l'été gagne match. Là, mais ça ne pas comprendre. COVID l'a fait, l'évangile prêché, puis raide. D'où l'église là, l'y a vive encore. Je m'agarre là, comment ça va le passer? L'église persécution, comment l'église a fait? L'église marque de la bête, comment l'église a fait? Ouais, une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle pour vous. Persécution premier siècle, pas arrivé à détruire l'église. Les démons, pas arrivé à détruire l'église. Satan le diable, pas arrivé à détruire l'église. Persécuteur, pas arrivé à détruire l'église. Les Césars de Rome, pas arrivé à détruire l'église. Même les pagues conférences, l'église a plavé raide. Même la pandémie arrivée, l'église a plavé raide. Et me donnez mon multi, pasteur, non pas ça, qui ça vous fait? Nous sortons pour nous matin. Si tout le monde rangeait pour quitter l'église, ou même
rete an dan l'eglise. E pou mou leve mou ale. Di m'a prete, m'a prete, m'a prete, m'a prete. M'a gon pa m'a fe. M'a fon pa kita. M'a fon pa la go. Parce que l'église m'la dan. C'est l'église de Jésus-Christ. L'église m'la dan. C'est l'église qui a triomphé. L'église m'la dan. C'est l'église Jésus a refusé chercher. L'église qui doit être défaut, c'est vrai. L'église qui doit être parfait, c'est vrai. L'église qui doit être mauvais monde, c'est vrai. Oui, même vu la bonté, avant longtemps, l'éternel pral fait triage là. Avant longtemps, l'éternel pral ou pas ta faire plan pour être. Même déclaré, m'a prêté. M'a prêté. Levez-moi à la dit, Seigneur, fais-moi prêter. Seigneur, fais-moi prêter. Entre l'église où. Seigneur, fais-moi prêter. Dans la présence où. En dépit de problèmes, nous t'a rencontré. En dépit de attaques, diable a fait. En dépit de persécution que le monde. Et maintenant, Seigneur, nous venons dans la présence où. Pour nous demander, pour qu'il y ait de l'église où. Pour qu'il y ait de la présence où. Pas quitter problème pour t'en aller. Pas quitter critique pour t'en aller. Pas quitter samoudi pour t'en aller. Mais quel que soit sa privée, qui m'aime en présence. Ou même qui souligne, dit Seigneur, qui m'aime en présence. The church still lives. L'église là, la vive toujours. Si porte Sinaï, a ouvert encore, c'est parce que l'église là a vive toujours. Et depuis ces mouns qui est dans l'église là, il a vive également dans le nom de Jésus de Nazareth. Prenons la caillou et prenons là. Et c'est à ce qu'on va le préparer pour le chanter pour nous. Mais vite au fond, prière à bon Dieu. Mais vite au baisser tête au kounia, baisser tête ou fermer les yeux et parler à Seigneur. Dis Seigneur, l'église passe par des moments difficiles. Il y a des choses qui a passé sous l'église et en dans l'église qui m'a des forces bon Dieu pour camper. Mais Seigneur, vous dites, the church still lives. Aidez-moi pour m'être là-dedans. Parlez à bon Dieu. Pendant ce soir, quoi venir pour chanter pour nous et nous tourner pour nous bâtir la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous espérons que nous avons béni par message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou capable via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côté et gens qui plus facile pour vous. Nous disons bon Dieu merci pour le ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former moun, édifier et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous laguons dans deux plans mes papa bon Dieu et nous disons bon Dieu remercions, nous remercions tout. Bye bye.